Pontmain est géographiquement dans ce que l'on appelle les Pays de Loire, c'est-à-dire aux confins de ces Pays de Loire, de la Bretagne et de la Basse-Normandie. À 500 mètres de Pontmain, nous sommes en Bretagne. Et à 2 km, nous sommes en Normandie. C'est un petit village de 882 habitants sur 602 hectares, donc c'est une toute petite commune. Un lieu très paisible par son environnement, par son cadre totalement rural. Un beau lieu construit dans un beau patrimoine granitique, entouré de beaucoup de verdure. Et pour le pèlerin qui passe, il y a une ambiance de pacification, de sérénité. Au XIXe siècle, Pontmain était écrit en 2 mots, P-O-N-T, trait d'union, main, M-A-I-N. Dès le début du XXe siècle, on a pris l'habitude de l'écrire en un seul mot. C'est peut-être dommage parce que ça se rapprochait davantage de l'origine, de l'étymologie du mot. Beaucoup d'anciens disaient « on va au Pontmain », c'est-à-dire que le Pontmain marquer un peu une limite, une frontière, si l'on veut, avec la Bretagne qui est toute proche. Pontmain, alors c'était le pont du Maine. Pontmain, c'est l'apparition. Pontmain ne serait pas Pontmain s'il n'y avait pas une apparition. Auparavant, Pontmain n'était pas du tout connu. C'était ni commune, ni paroisse. Il y avait une petite chapelle qui datait du château féodal de Pontmain. Mais c'était un hameau, comme on en trouve beaucoup dans la Bretagne voisine. Il y avait un vieux dicton dans le cœur des habitants de Pontmain, qui disait « Quand Paris brûlera, Pontmain renaîtra ». Et alors, Pontmain est revenu un peu en avant de la scène avec l'apparition de 1871, alors qu'à Paris, c'était les émeutes, c'était la Commune. Il y a ici une seule apparition, ce qui est relativement rare, une apparition très longue qui va durer plus de 3 heures. Une apparition où la Vierge ne parle pas, mais où un message va s'inscrire dans le ciel, ce qui est absolument unique, absolument inédit. Et aussi, le caractère unique de Pontmain est très important de Pontmain, et ce qui peut donner son caractère œcuménique, c'est le fait qu'à un moment donné, le Seigneur apparaît aussi, la Vierge prend la croix dans ses mains. C'est aussi l'apparition de la Vierge tenant la croix du Christ. Les pèlerins qui viennent à Pontmain et ceux qui viennent pour la première fois demandent où est-ce que la Sainte Vierge est apparue. Alors quand on leur répond dans le ciel, ils sont un peu désorientés. Donc le lieu incontournable, c'est ce qui à ce moment-là était la prairie, ce qui aujourd'hui est l'esplanade devant la basilique, là où se trouve la colonne avec la statue de la Vierge. Ça c'est le premier lieu incontournable, c'est le lieu de l'apparition. Mais moi, j'aime toujours, avant de répondre à cette question aux pèlerins, de leur dire, avant d'aller au lieu où la Vierge est apparue, si vous voulez comprendre ce qui s'est passé, il faut commencer par le premier lieu incontournable, qui est la vieille église paroissiale. L'église qui existait du temps de l'apparition, que l'abbé Michel Guérin avait fait restaurer, reconstruire, rebâtir. On peut dire que sans l'abbé Guérin, d'abord on ne comprendrait pas le sens de l'apparition, et peut-être qu'on pourrait se demander, est-ce qu'il y aurait eu l'apparition elle-même, hein? C'est sa servante qui disait que c'est lui qui avait préparé cette visitation de la Vierge dans le village de Pontmain. L'abbé Guérin est originaire de Laval. Il a été baptisé à Saint-Vénérin. Le père Guérin, le curé des apparitions, est né à quelques pas d'ici, le 8 juin 1801, et le lendemain, il a été baptisé dans cette paroisse. Et le père Guérin va fréquenter cette paroisse, va y apprendre à prier et à célébrer les saints mystères, comme on aimait à dire à l'époque. Il était originaire d'une famille très modeste. Le papa est mort alors qu'il avait 12 ou 13 ans. Et puis, il a perdu aussi une de ses sœurs. Lui et sa maman venaient chercher beaucoup de réconfort auprès de la Vierge Marie, ici, à Notre-Dame de la Vénière. Et alors, ce père Guérin, qui après a voulu donner sa vie à Dieu, a voulu être prêtre, il avait un profond amour de la Sainte Vierge. Et nous pensons que cet amour de la Sainte Vierge, il l'a eu déjà quand il était tout petit, dans ces moments de difficulté et de souffrance qu'il a traversés avec sa pauvre maman. Ce vêtement est posé donc sur la robe de Marie, et c'est ce manteau qui change de couleur. Vous voyez, tantôt il est doré, tantôt il est bleu. Nous avons deux grandes fêtes ici à la basilique, le 15 août, l'Assomption de Notre-Dame, et le 8 décembre, l'Immaculée Conception. Et à chacune de ces fêtes, nous habillons Notre-Dame dans une nouvelle tenue. La statue de Notre-Dame de la Vénière, elle a été couronnée par Monseigneur Vicard en 1859, qui a été le premier évêque de Laval. C'est lui qui a reconnu l'apparition de Pontmain officiellement. Il y a à la cathédrale une représentation très majestueuse de Monseigneur Vicard, qui est à genoux devant une représentation de Notre-Dame de Pontmain. Michel Guérin a été nommé vicaire à Saint-Hélier. Et c'est à ce titre-là qu'il vient à Pontmain un jour pour un enterrement. Comme il n'y avait plus de prêtre à Pontmain, depuis un certain temps déjà, les gens de Pontmain avaient perdu l'habitude d'aller à l'église. Il trouve une église en ruine et il est très touché par cette pauvreté, par ce qu'il découvre, et il demande donc à l'évêque de pouvoir venir habiter Pontmain tout en restant vicaire de Saint-Hélier. Il arrive persuadé d'abord qu'il y a un travail énorme à faire. Il remplissait d'ailleurs le rôle un peu du maire. Voilà. Et il va houspiller le préfet pour qu'on agrandisse les routes, enfin, pour qu'on améliore les chemins. Il va créer une école, il va commencer à faire venir des religieuses, rebâtir l'église, il va même l'agrandir. Un gars qui était d'une activité extraordinaire. Hein. Voilà. Et en même temps, un homme profondément spirituel qui va préparer la visitation de Marie en visitant chaque famille, et en introduisant le culte de Marie. Une de ses premières choses qu'il avait faites en arrivant à Pontmain, au mois de novembre 1836, c'était d'acheter autant de petites statuettes de la Vierge qu'il y avait de foyers à Pontmain. Et il va offrir à chaque foyer une de ces statuettes. Et à partir de ce moment-là, dans toutes les familles, je dis bien dans toutes les familles, le chapelet a été prié tous les jours. Michel Guérin a préparé son petit peuple à pouvoir accueillir l'événement qui s'est produit. Il a préparé les cœurs, il a ouvert les cœurs à pouvoir recevoir ce message et à être disposé à recevoir ce message. Nous sommes ici dans un des lieux très importants de Pontmain, puisque c'est le presbytère de l'abbé Michel Guérin. Michel Guérin a vécu ici pratiquement tout son temps à Pontmain, de 1836 à sa mort en 1872. Dans cette pièce, nous avons réuni quelques objets ayant appartenu à Michel Guérin. Nous apercevons ici son étole pastorale, et dans cette vitrine, d'abord, la croix de chanoine de Michel Guérin. Après l'apparition de la Vierge, l'évêque, Monseigneur Vicard, prend la décision de nommer Michel Guérin chanoine de la cathédrale. Michel Guérin refuse en disant « Cette distinction est bien trop importante pour le petit curé de Pontmain ». Finalement, l'évêque insiste et viendra personnellement, ici, à Pontmain, remettre sa croix de chanoine à Michel Guérin. ce petit médaillon qui a été fait par une brave femme de Pontmain qui a découpé une photo de Michel Guérin et une représentation de Notre-Dame de Pontmain. Cela prouve que, pour les gens d'ici, il est clair que si la Vierge est apparue à Pontmain, dans leur esprit en tout cas, c'est la réponse à tout ce qu'a fait Michel Guérin ici, dans ce lieu. Ce tout petit médaillon me paraît extrêmement important et peut-être qu'à lui seul, il justifierait l'ouverture du procès de béatification de Michel Guérin. La première chose qu'il a fait avec ses paroissiens, ils ont reconstruit cette chapelle qui est devenue, après, une église paroissiale. C'est dans cette église que le petit peuple de Michel Guérin priait avec lui pour la messe, pour les vêpres. L'évêque du Mans, à l'époque où l'abbé Guérin a été nommé, ne voulait même pas en faire une paroisse. Et c'est vraiment l'abbé Guérin qui a insisté pour être nommé là, là où personne ne voulait aller. Et au point que l'évêque lui a fait signer une décharge. Il est resté 36 ans, il a fait des merveilles, quoi. Il y a une trempe de missionnaires chez l'abbé Guérin, c'est évident. Il faut bien voir les deux personnages qui sont un peu en dessous de la Vierge, Saint-Simon et Saint-Jude. Il avait beaucoup d'humour, ce père Guérin. Il a dit « Nous allons mettre notre paroisse sous la protection des apôtres Simon et Jude, parce que Saint-Pierre, Saint-Jean, Saint-Jacques, Philippe, Matthieu, Barthélemy, ceux-là, on les prie beaucoup. Mais ces deux-là, personne n'en parle. Donc, ils vont bien s'occuper de nous. » La guerre franco-prussienne est déclarée le 23 septembre 1870. 38 jeunes de Pontmain vont partir à la guerre. Pour Pontmain, ce fut certainement un très grand choc de voir 38 jeunes partir sur une population qui était de 450 à 500 habitants. La prière à Marie, spécialement pour les jeunes qui étaient partis à la guerre, elle se faisait tourner vers cette statue. L'abbé Michel Guérin allumait 4 bougies et il chantait leur cantique à la Vierge pour exprimer leur confiance et leur prière. C'est cette statue-là qui a vu partir les 38 jeunes de Pontmain. Et comme monsieur le curé disait à ses paroissiens, surtout n'oubliez pas la Sainte Vierge, eh bien je crois que chacun de ces garçons, qui depuis leur plus tendre enfance, priaient le chapelet tous les jours, ils n'allaient tout de même pas abandonner celle qui les attendait à leur retour à l'église de leur petit Pontmain. La guerre, les 38 jeunes, l'épidémie qui avançait, enfin c'était une ambiance vraiment déprimante, quoi. Alors, les gens ont prié vêpres, et quand vient le moment de chanter « Mère de l'espérance » pour prier pour les jeunes qui étaient partis à la guerre, l'abbé Guérin s'est retrouvé un peu, je veux parler vulgairement, le bec dans l'eau, quoi. Il a senti que les gens ne voulaient plus prier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous ne priez pas aujourd'hui? Silence. Pourquoi vous ne voulez plus prier? Parmi eux, un plus courageux a dû dire, monsieur le curé, on a beau prier, Dieu ne nous écoute pas. C'est-à-dire, vous voyez que ce petit peuple qui aimait le bon Dieu, qui aimait la Sainte Vierge, ils avaient le moral tellement dans les chaussettes, des grands coups de blouse, comme on dirait aujourd'hui, qu'ils pensaient, ils désespéraient, ils pensaient que Dieu les avait abandonnés, quoi. Et la Sainte Vierge aussi. C'est terrible, ça, hein? Et alors, avec des larmes plein les yeux, la gorge serrée par l'émotion, ils vont quand même chanter leur cantique « Mère de l'espérance », dont le nom est si doux, « Protégez notre France, priez, priez pour nous ». Ce cantique qui d'ailleurs était chanté et venait du sanctuaire de Notre-Dame d'Espérance à Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor. Évidemment, on était loin de se douter à ce moment-là que la réponse allait venir. Et quelle réponse? Puisque c'est Marie elle-même qui l'apportera, le surlendemain, le mardi soir. Le deuxième lieu incontournable de Pontmain, c'est la grange. Non pas parce que c'est le lieu de l'apparition, la Vierge n'est pas apparue à la grange. Elle est apparue dans le ciel, devant la grange, au-dessus de la maison qui est en face de la grange. Mais la grange, c'est le lieu où se trouvaient, où vivaient deux des voyants, les deux garçons, les enfants Barbedette. C'est là que peu à peu le village s'est rassemblé pendant les 3 heures qu'a duré l'apparition. Mardi 17, l'aîné des Barbedettes qui a 12 ans, Eugène, sort et voit dans le ciel, derrière la maison d'Augustin Guittecoq, quelque chose dans le patois mayennais. Les adultes ne voient rien. Le petit frère, lui, sort à son tour et voit une belle dame. Et puis, comme on voit rien, ben, on va manger la soupe. Et après avoir mangé la soupe, on sort et les enfants voient toujours la belle dame. Alors on va aller chercher les sœurs. La mère Barbedette dit, parce que les sœurs, elles sont plus pieuses que nous, alors s'il y a quelque chose, elles verront bien. Puis les sœurs voient rien. Alors les sœurs envoient chercher les petites filles. Et puis, 2 des petites filles voient. Alors on envoie chercher monsieur le curé. Et puis quand tout le village est rassemblé, qu'on discutaille, etc., monsieur le curé dit, on va prier, mes enfants. Et au rythme de la prière, ce qu'on appelle les phases vont se dérouler les unes après les autres. La dame va grandir, de plus en plus belle, couverte d'étoiles d'or. Puis il y a un ovale qui va apparaître autour d'elle, avec 4 bougies éteintes. Et puis, au rythme des prières, du Magnificat, du Salve Regina, voilà qu'une bande blanche apparaît sous les pieds de la dame, qui se déroule, et puis des lettres d'or que les enfants épellent les unes après les autres. Mais priez, mes enfants. Dieu vous exaucera en peu de temps. Et puis une dernière phrase, une ligne en dessous, qui va être soulignée d'un grand trait d'or, comme si c'était l'essentiel du message. Mon fils se laisse toucher. C'est quand les mots « mon fils » apparaissent que l'on a la certitude que c'est la Sainte Vierge. Jusqu'alors, certains disaient c'est la Vierge, d'autres disaient ça ne l'est pas. Alors, ben, on va chanter le cantique mère de l'espérance qu'on avait eu tant de mal à chanter, et on va le chanter. Et à ce moment-là, 3e phase de l'apparition, la Sainte Vierge lève les mains et se met à agiter les doigts. Comme Sœur Marie-Édouard quand elle joue l'harmonium à l'église, disent les enfants. Et elle semble ainsi accompagner le chant Mère de l'Espérance. Et puis quand on a fini le chant, voilà encore quelque chose qui se fait, disent les enfants. 4e phase de l'apparition. Apparaît un grand crucifix rouge. La Vierge est tombée en tristesse et elle prend ce crucifix et les présente à tous les gens qui sont à ses pieds. Mon fils se laisse toucher. Il s'est tellement laissé toucher qu'il est mort d'amour sur une croix. C'est l'Évangile et ce n'est que l'Évangile. Alors on va chanter le Parce Domine qu'on chantait tous les vendredis de Carême et le Vendredi Saint, où on se reconnaît pécheur et puis on reconnaît que c'est la croix du Christ qui nous a sauvés. Et voilà qu'une étoile vient allumer les 4 bougies autour de la Sainte Vierge qui étaient restées éteintes. Ce soir-là, c'est pas Michel Guérin qui allume les bougies, c'est le ciel. Et la croix disparaît. Et puis vient la 5e phase. Marie retrouve son sourire, retrouve sa joie, tend à nouveau les mains aux enfants et 2 croix blanches apparaissent sur les épaules de la Vierge. C'est la fin de l'apparition. Chacun va être envoyé chez soi, à sa vie de tous les jours. Celui qui veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et alors, peu à peu, il y a un voile qui monte et qui va cacher la Vierge. Mais on sait qu'elle est toujours là. Et quand le voile a fini de monter, monsieur le curé dit aux enfants, « Voyait-il encore quelque chose ?»« Oh non, monsieur le curé, c'est tout fini. » Et monsieur le curé dit, « Eh bien, bonne nuit, mes enfants. » Et chacun rentre chez soi. C'est tout fini, où ça commence. Je crois que c'est la seule apparition où Marie n'est pas parlée. Mais son message s'est écrit. Dans ce message, il y a en réalité 2 messages. La première ligne, « Mais priez mes enfants ». Dieu vous exaucera en peu de temps. Marie s'adressait à ceux qui étaient là par terre et qui priaient. Ceux qui, le dimanche précédent, avaient dit à l'église, à leur curé, « À quoi bon prier ? Dieu ne nous écoute pas, il n'exauce pas nos prières. » Alors voilà la réponse du ciel. Donc, un point. La deuxième ligne, « Mon fils se laisse toucher », alors ce sont des mots qui vont traverser notre temps pour rejoindre l'éternité. Car tant qu'il y aura sur la terre quelqu'un capable de prier, Jésus, fils de Marie, se laissera toujours toucher par la prière. C'est pour ça qu'il n'y a pas de point, ça s'en va jusque dans l'éternité, mais comme c'est important, Marie l'a souligné par un gros trait d'or. Ces gens qui étaient complètement découragés 2 jours avant et qui n'avaient plus d'espoir, quand ils ont vu le message de Marie et qu'ils ont su que c'était Marie et que Marie leur a présenté l'amour de Dieu pour nous, c'est-à-dire le Christ rouge sur la croix, alors là, ils ont dit, ouais, c'est vrai, là, le bon Dieu est avec nous, Dieu nous aime. Et là, ils ont retrouvé, j'aime expliquer ça aux pèlerins, un petit peu la paix pascale. Ils ont repris espérance avant même de savoir que les Prussiens ne prendraient pas l'aval avant de savoir que leurs jeunes gens reviendraient. L'espérance est née avant, et ça, c'est extrêmement important. Les paroissiens, en reconnaissance à Marie, ont voulu mettre cet ex-voto qui rappelle le retour des 38 jeunes qui étaient partis à la guerre et qui sont tous revenus sains et saufs. Certes, seuls quelques enfants voient, mais toute la paroisse est rassemblée. Et contrairement, je pense à Lourdes, par exemple, où les gens vont venir à Lourdes, mais vont se tourner vers Bernadette. Ils vont regarder Bernadette, voir Bernadette. Ici, au contraire, les gens ne se tournent pas vers les voyants, mais comme les voyants, ils sont tournés vers la Vierge, ils sont tournés vers l'apparition. Le bruit que la Vierge était apparue ici s'est répandu comme une traînée de poudre. Et dès le surlendemain de l'apparition, un certain nombre de gens extérieurs à Pontmain viennent ici, persuadés, bien avant que l'autorité ecclésiastique ne soit prononcée, persuadés que la Vierge était apparue. Dans son journal, l'abbé Michel Guérin note scrupuleusement les gens qui viennent, les pèlerinages qui viennent. Et dès la première année, avant la reconnaissance, on a des dizaines et des dizaines de pèlerinages qui viennent, curés en tête, bannières en main, croix levée. Elle a été si simple qu'elle n'a posé aucun problème aux experts. Et c'est vrai que c'est ce qui caractérise, je pense, l'apparition de Pontmain. C'est l'apparition en France qui a été le plus vite reconnue. Puisqu'il a fallu 1 an, simplement. C'est le 2 février 1872 que Monseigneur Vicar a ouvert le culte officiellement à Notre-Dame de Pontmain. Le musée a été aménagé dans le sanctuaire de Pontmain à usage des pèlerins pour pouvoir expliquer ce que sont devenus les voyants après l'apparition de Pontmain. Les 4 voyants officiels reconnus par Monseigneur Vicar, mais aussi 3 autres enfants dont on parle beaucoup moins, qui ne sont pas reconnus comme voyants officiels, mais dont tout le monde s'accorde pour dire qu'ils ont réellement vu la Sainte Vierge. Il s'agit donc d'essayer d'expliquer aux pèlerins ce que ces voyants sont devenus, ce qui a été les caractéristiques de leur vie, et de l'expliquer à l'aide de quelques panneaux, mais aussi à l'aide de quelques objets. Beaucoup de gens venaient à Pontmain, cherchaient à rencontrer les voyants et à leur poser des questions. On allait les chercher à l'école, on les guettait à la sortie de la classe. Ah ben, c'était pas de tourpeau, hein. On leur a, pardonnez-moi l'expression, cassé les pieds. On leur a cassé les pieds pendant toute l'année qu'il va y avoir entre l'apparition et la reconnaissance par Monseigneur Vicar. Toutes les enquêtes qui ont eu lieu, tous les gens qui venaient les trouver, le général de Charette qui était persuadé qu'il mentait et qui est arrivé avec son sabre et qui leur a mis sous la gorge en disant « Je sais que tu mens, et si tu continues à mentir, je vais te couper la tête ». Ces voyants ont mené une vie normale, ont répondu à leur vocation, la vocation qu'ils ont peu à peu découverte, et ont mené une vie qui peut ressembler à la vie que tout pèlerin va être amené à vivre. Il n'y a rien d'extraordinaire dans leur vie, à part le fait qu'ils aient vu la Sainte Vierge, mais ils ont mené leur vie, les prêtres, les religieux, les laïcs, normalement, ordinairement. Ce sont ce que l'on pourrait appeler des chrétiens ordinaires. Et ça, je pense que ça permet aux pèlerins de repartir réconfortés, rassurés. Ces quatre enfants, ils n'ont pas vu la Sainte Vierge parce qu'ils étaient nés avec une auréole derrière la tête. Les autres lieux incontournables, c'est bien sûr ce que l'on voit en premier quand on arrive à Pontmain, c'est la basilique. Cette basilique a été construite après l'apparition, à la demande de l'évêque, pour pouvoir avoir un lieu abrité pour accueillir les pèlerins. Je ne me lasse pas de regarder cette basilique qui change de couleur, de luminosité, à tout instant du jour ou à toute saison, lorsque le soleil vient l'illuminer. Et ça fait mon ravissement. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. La première pierre a été posée en 1873 et l'église est achevée en 1890. À cause de la vacance du siège de Laval, elle ne sera consacrée qu'en 1900, mais en fait, elle sert dès 1890. Elle est élevée au rang de basilique en 1907, rattachée à Sainte-Marie-Majeure. Cette basilique est donc entièrement dans ce qu'on appelle le style néo-gothique, fin du 19e siècle, et nous le voyons bien par la forme, par les voûtes d'ogives, etc. Nous sommes dans du néo-gothique. Mais nous sommes dans du très beau néo-gothique. On a eu une chance ici à Pontmain, ce qui au départ a posé de gros problèmes aux architectes, c'est que le sol est un sol très marécageux. Donc un sol peu favorable à l'édification d'un édifice lourd. Pour que l'édifice soit le moins lourd possible, l'architecte a décidé qu'il faudrait qu'il y ait le maximum de verre pour éviter le poids de la pierre. C'est ce qui explique qu'à partir du déambulatoire, donc à partir du premier étage de la basilique, nous nous trouvons dans un mur de verre où il n'y a pratiquement plus de pierre, plus de piliers, mais uniquement du verre. Ce qui donne une très grande luminosité et une très grande beauté à cet édifice. La première chose qui frappe quand on rentre ici, ce sont les vitraux. Cette basilique n'est pas orientée est-ouest, contrairement aux églises normalement qui sont tournées vers l'est, vers le Christ soleil levant. Mais la basilique est orientée vers la maison de l'apparition, de manière à ce que lorsque les pèlerins sortent, ils soient normalement tournés vers le lieu où la Vierge est apparue. Donc tout ici est fait en fonction du pèlerinage. Ce qui est le plus admirable, c'est la verrière centrale, avec ces quatre moments qui représentent quatre des phases de l'apparition de Pontmain. Si bien que quand on rentre dans cette basilique, ce que l'on a en face, c'est la Vierge de Pontmain qui vous accueille. La Vierge de Pontmain qui vous tend les bras avec ce bleu et aussi, d'une façon merveilleuse, avec tous les petits personnages qui sont au pied de la Vierge. Ratouille a fait ses vitraux en 1875-76. Les témoins de l'apparition étaient pour la plupart encore vivants. Ces vitraux sont donc comme des portraits qui les représentent tels qu'ils étaient habillés, qui les représentent dans les attitudes qu'ils avaient au moment de l'apparition. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Il entoure cette apparition de Pontmain de l'apparition de la Salette, à notre gauche, et de l'apparition de Lourdes, à notre droite. Et ensuite, sur les murs qui sont le long du chœur, toutes les phases touchant à ce que l'Écriture sainte ou le protévangile de Jacques disent de la Vierge Marie. Ceci pour aider les fidèles à prier le chapelet. Et on va faire appel à un artiste local renoncé, qui est un maître verrier très connu, pour réaliser ces verrières. il a mis une quarantaine de nuances de bleu dans ces verrières de la nef. Puisque, dit-il, les enfants étaient incapables de dire quel était le bleu de la robe de la Vierge, que c'était un bleu indescriptible, avec des pointes de rouge qui évoquent la croix, des pointes de blanc qui évoquent les deux croix blanches apparues sur les épaules de la Vierge, et des petites pointes d'or comme pour évoquer les étoiles. Et nous avons ici une chance inouïe que toutes les cathédrales n'ont pas, c'est que le buffet de l'orgue épouse la forme de la rosace et ne cache pas la rosace, mais vient comme la souligner, comme être un écrin enchâssant la rosace. Donc tout ici a vraiment été fait pour que les vitraux puissent être ce qui nous évoquerait le mieux l'apparition de Pomain. Pour les fêtes du 15 août, j'avais invité le père abbé Déguget, dont Jean-Pierre Longin. Il n'avait jamais mis les pieds à Pomain. Et quand il est arrivé, il y avait un soleil éclatant. Je l'ai entraîné dans la basilique. Et en bon bénédictin qu'il est, il s'est arrêté à l'entrée de la basilique. Et il m'a dit, « Tais-toi. Ne dis rien. Ici, c'est le ciel. » Par les missionnaires, hommes ou femmes, et le diocèse de Laval ou le diocèse de Rennes ont donné de nombreux missionnaires à l'Église, jésuites, pères blancs, oblats, etc. La dévotion à Notre-Dame de Pomain s'est répandue très vite dans le monde entier, puisque l'on a des diocèses consacrés à Notre-Dame de Pomain, au Vietnam, au Cameroun, en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Canada. Partout, les missionnaires originaires de cette contrée ont propagé cette dévotion et ce culte. Il y a une cathédrale au Vietnam où on voit sur la façade de la cathédrale une statue je crois, de 8 mètres de haut de Notre-Dame de Pomain. Voilà. Et là aussi, d'une manière très, très heureuse, nous venons d'accueillir, enfin, il y a déjà plus d'un an, 2 ans maintenant, une communauté vietnamienne, de religieuses vietnamiennes. Tout ça, vous voyez, ça fait des petits signes qui se répondent les uns les autres, qui s'appellent. Et puis, il y a aussi un lieu qui est marquant, c'est Béchouat, au Liban, où le culte de Notre-Dame de Pomain s'est répandu. À la faveur de la mission d'un jésuite français, Notre-Dame de Pomain est vénérée en ce lieu, autant par des chrétiens que par des musulmans. Voilà. Et il se vit d'ailleurs des guérisons assez étonnantes. Même il y a des miracles qui ne sont pas encore reconnus, mais... en particulier avec un jeune musulman qui était venu à Béchouat avec son papa et qui a été guéri. Dès les débuts des pèlerinages, il y a eu des gens qui se sont déclarés guéris à Pomain. Et l'abbé Michel Guérin, d'abord, puis ses successeurs, ont soigneusement consigné sur un registre ces guérisons que les gens disaient avoir obtenues, dont un certain nombre d'entre elles semblent tout à fait sérieuses. Mais Pomain n'a jamais eu, comme Lourdes, de bureau médical. Donc il n'y a jamais eu à Pomain matière à constatation ecclésiastique des miracles. C'est dommage, sans doute, mais c'est comme ça. Mais bon nombre de gens disent avoir été guéris à Pomain. Les ex-voto qui sont dans la basilique en font foi. Mais il me semble, et je dirais la même chose de Lourdes, que les grandes grâces, ce ne sont pas les guérisons physiques. Les grandes grâces, c'est les guérisons spirituelles. Les grandes grâces, c'est les gens qui arrivent désespérés et qui repartent pleins d'espérance. Il y en a tous les jours des miracles à Pomain. Mais ce n'est pas des miracles visibles, extérieurs, éclatants, c'est plutôt des miracles... tout intérieur, de guérison du cœur, de paix retrouvée dans les familles, voilà. Il y en a plein. C'est des miracles du cœur, tout caché. Et moi, je peux le dire que je le constate à chaque fois que je m'y rends pour y vivre des célébrations. Un lieu qui n'a rien de triste, c'est le cimetière. Parce que dans ce cimetière repose un certain nombre des acteurs de l'apparition et c'est un lieu où on peut retrouver le sens de l'apparition. Et c'est dans ce cimetière que nous trouvons la tombe de ce merveilleux abbé Michel Guérin, le premier curé de Pontmain, le curé de l'apparition, comme on l'appelle. Il y a aussi, à côté de la tombe de Michel Guérin, la tombe des sœurs, en particulier de sœur Timothée. On sait combien les sœurs, avec Michel Guérin, ont pris en charge l'éducation, les malades. On verra aussi une tombe, c'est assez émouvant, du petit Friteau. Ce petit Friteau qui avait 6 ans, un petit peu plus de 6 ans, lors de l'apparition. Et il a vu Marie aussi, et il est mort quelque temps après. L'apparition 17 janvier, il est mort au mois de mai. Après cette vision de Marie, eh bien, il était transformé. Hein, ses parents disaient, mais vraiment, il est agréable, il ne geint plus comme avant. Certainement, il devait souffrir, mais il avait trouvé comme une sorte de paix. Le sanctuaire était confié par l'évêque de Laval aux Oblats, aux missionnaires Oblats de Marie Immaculée, qui en ont donc la responsabilité, responsabilité matérielle, responsabilité spirituelle. Mais pour cela, les trois Oblats, donc les trois chapelains, ne sont pas seuls. Il y a d'abord quelques Oblats plus âgés qui donnent un coup de main, en particulier pour le ministère des confessions. Il y a des bénévoles. Beaucoup de bénévoles, sans lesquels rien ne serait possible, et quelques salariés. Et puis, deux communautés de religieuses. Une communauté de religieuses vietnamiennes, qui aide pour la liturgie et aussi pour l'accueil. Les sœurs de Riley, qui sont là, les sœurs du Christ Rédempteur, qui aident pour l'accueil des pèlerins, pour faire découvrir les lieux. Cette équipe de pères oblats, ils nous communiquent leur dynamisme et leur amour de Pontmain. Moi, je peux dire que c'est vrai que c'est aussi pour nous, pour notre vie spirituelle, c'est aussi très important. Pontmain revit. Il y a eu des moments de difficulté. C'est sans doute normal, c'est sûrement normal. Mais maintenant, avec la nouvelle équipe qu'il y a, bon, les sœurs, et tous les laïcs qui s'engagent aussi. Ça redonne un dynamisme et tout est fait pour que Pontmain soit plus connu. Et c'est vrai que les gens viennent tous les jours. Vous avez des pèlerinages qui viennent d'un peu partout. Hein, quand on voit le dimanche, des gens des îles, des pays de l'Est, d'Afrique, un peu partout. On a aussi beaucoup de familles qui viennent avec leurs enfants, avec leurs grands jeunes. Et c'est un pèlerinage, c'est un aspect de Pontmain, cette dimension de pèlerinage familial qui est très important à Pontmain. Ce qui les frappe beaucoup, c'est tout l'accueil, la disponibilité de toutes les personnes présentes. Pontmain est un lieu où on vient régulièrement. On y vient, on fait partie d'un petit groupe de prières qui se réunit ici tous les mois. Et donc Pontmain est un lieu vraiment pour nous très fort. Et on habite quand même on a 130 km, presque 150 pour lui, pour venir ici. Et c'est vrai qu'on découvre Pontmain à toutes les saisons. Et pour nous, c'est un lieu de simplicité, c'est un lieu très fort. J'aime beaucoup la grange, par exemple. Il n'y a pas à Pontmain aussi, je dirais, le mercantilisme qu'on peut avoir dans d'autres lieux que nous ne nommerons pas. Il y a une plus grande simplicité, c'est rural, c'est familial, c'est, je sais pas, une intimité, je dirais, avec le ciel. Ce que les pèlerins viennent chercher beaucoup ici à Pontmain, c'est un lieu de paix. Un pays calme, qui est resté petit, à dimension humaine. Un pays où l'on peut prier. Un lieu où l'on est tranquille, où l'on est en paix. À Pontmain, on prie dans la simplicité. Et comme quelqu'un me disait, Pontmain n'est pas Lourdes. Mais dans un grand sanctuaire comme Lourdes, vous êtes porté par tous les offices, par on ne peut pas dire la grandiloquence, mais les grands offices, les grandes célébrations. À Pontmain, il y a aussi de grands offices et de grandes célébrations, mais on est dans la simplicité et le pèlerin qui vient à Pontmain, il est obligé de rentrer en lui-même, de s'intérioriser, et c'est un autre aspect du pèlerinage. Et ça, on l'a entendu plusieurs fois. Ici, tout est simple. On est dans l'humilité, la simplicité, mais aussi beaucoup de vérité. À Pomme, la particularité, c'est que quand on prie, on sent que vraiment on prie avec la Vierge. Quand elle est venue, c'est pour appeler à la prière. Et les enfants décrivaient la Vierge au moment où ils commençaient à prier, qu'elle s'agrandissait. Une manière de dire qu'elle s'associe à cette prière. On vient à Pomme avec Marie rendre grâce au Seigneur. Voilà, c'est le lieu de la louange. Même si Marie est présente partout, on a cette présence quasi palpable ici. Les pèlerins sont très attachés à une phrase qu'écrira Joseph Barbedette. Après l'apparition, on ne la voyait plus, mais on sait qu'elle est toujours là. Pour beaucoup d'entre eux, c'est retrouver d'une manière ou d'une autre l'espérance. Qu'il s'agisse d'une espérance physique suite à la maladie, suite à la vieillesse, qu'il s'agisse d'épreuves familiales, qu'il s'agisse d'une désespérance spirituelle, nous avons ici beaucoup de gens qui viennent chercher l'espérance. Marie à Notre-Dame-de-Pontmain est invoquée, l'un des vocables sous lesquels on l'invoque, c'est Notre-Dame de l'Espérance. Aujourd'hui, ceux qui viennent à Pontmain sont des gens qui sont en quête de paix du cœur, de guérison intérieure. Tout le message de Marie à Pontmain tourne autour de ça, la paix, l'espérance, hein, on était en pleine guerre franco-prussienne à l'époque. Aujourd'hui, le contexte est différent, mais les violences sont toujours là, et peut-être combien plus douloureuses encore. Ces gens qui viennent à Pontmain sans faire de bruit viennent chercher dans le Christ la guérison de leurs blessures, les blessures d'amour. Il y a des histoires voilà, cabossées hein, partout hein, dans les familles. Et c'est ça qui est le plus touchant. Nous nous organisons maintenant 2 fois par an dans le diocèse des rassemblements de personnes malades, atteintes par la vulnérabilité du grand âge, et puis des personnes handicapées. Nous vivons à ce moment-là des choses absolument merveilleuses, vraiment. On voit des hommes et des femmes qui repartent l'après-midi, mais rayonnants. Voilà. Et Dieu sait qu'ils ont besoin vraiment du secours, de la compassion hein, de Marie. On voit que c'est très actuel. On voit que Marie est présente. Nous, les bien portants, on a souvent le visage assez crispé, mais de voir des malades venir, tout souriant, un visage radieux, ça nous évangélise. Lors d'une messe, on a vu un groupe des handicapés venir et ils étaient tout rayonnants. Et durant toute la messe, ils ont participé. Et moi, comme prêtre, ça m'a boosté aussi, finalement. Voilà, ça, c'est très important. Ils nous aident finalement à découvrir que la vie est souriante. Ce qui me touche, c'est que justement les pauvres, les petits, se laissent toucher par le Christ. Quand je perçois vraiment qu'un contact est établi entre une personne, un pèlerin et le Christ par Marie, et que cette personne en sort tout transformée, tout apaisée. C'est à ce moment-là que je suis moi-même touché comme pasteur. fondamentalement, ils viennent chercher Dieu. Et justement, chaque fois qu'ils viennent, je leur dis, laissez-vous interroger par le message de la Bible. Mes enfants, vous vous appelez déjà mes enfants. Vous appelez à la confiance, à la prière. Et vous dire que son fils vous aime. Et ça, pour les gens, ça donne du baume au cœur, comme on dit. Aujourd'hui encore, le Christ se laisse toucher par tout ce qui nous préoccupe, par tout ce qui fait notre vie. Et j'ai vu plusieurs fois des personnes pleurer, les larmes coulaient, parce que je pense qu'elles se sentent vraiment rejointes dans tout ce qui les habite. Parfois, dans les rencontres, quelqu'un te dit « ça fait des années que je n'ai plus mis pied à l'église » et qui ressort tout souriant. Chaque fois que je vois les gens ressortir d'une célébration avec le visage rayonnant, pour moi, c'est le cadeau que je reçois ici. Des gens qui, poussés par des choses inexplicables et qui viennent de l'Esprit Saint, venant ici à Pontmain, qui ne se sont pas confessés depuis 25 ans, retrouvent le chemin du sacrement de réconciliation. Chaque fois que je suis appelé à présider à la célébration de la messe ici, je vois combien le message de Pontmain est vraiment central, que le message de Pontmain est le centre finalement de l'Évangile. On a à Pontmain un message d'une pertinence, d'une clarté immédiate, qu'on ne retrouve peut-être pas aussi manifeste dans les autres apparitions. C'est-à-dire qu'à Pontmain, on contemple Marie à sa juste place, c'est-à-dire Marie dont le mystère est à comprendre dans le mystère du Christ. Marie telle qu'elle a été définie par le Concile Vatican II, le chapitre 8 de Lumen Gentium, correspond tout à fait à ce qui s'est révélé de la place de Marie à Pontmain. Marie, tout de suite, elle oriente l'humanité vers la source. Vers la source, quand dans le message final, mon fils se laisse toucher, là, il n'y a aucune équivoque possible. Donc, et ce qu'elle recherche aujourd'hui encore, c'est que nous soyons des chrétiens qui vivions vraiment d'une relation vivante avec Jésus. Et c'est certainement en cela que Marie est une éducatrice pour les chrétiens, et à Pontmain d'une façon simple. Et elle va le faire, bien sûr, en invitant les chrétiens à prier. La prière, c'est la foi vivante, c'est la foi en acte, si vous voulez. La prière, c'est la manière par laquelle l'Église exprime et traduit son sacerdoce baptismal. Voilà. Et on est au cœur du message chrétien à Pontmain, sans fioriture, sans déclaration tonitruante, avec une simplicité et en même temps une actualité étonnante. Il y a une découverte à faire, découvrir une maman qui vient visiter ses enfants, qui les accueille en leur tendant les bras avec le sourire. Je crois que c'est cela qui marque à Pontmain. C'est de voir cette proximité de Marie par rapport à ses enfants.